Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode de Starbound V4 Please the Giraffe. Donc on descend cette planète aride qu'on a pu voir dans le précédent épisode, chers amis. Et on va aller se la faire, on va faire le tour, on va essayer de visiter un petit peu ce qu'on a à visiter dedans. On va mettre un... Tiens, bah regardez. Regardez ça. Hop, est-ce qu'on a un petit peu de... Voilà, parfait. On va essayer de mettre de ça. Crac. Donc ça de base, ça fera un tout petit peu de lumière. Et dedans, on va y mettre... Un petit peu de lave, et voilà. On est bon, et on partira sur la droite. Oh, c'est joli, dis donc, l'espèce de... Ah non, c'était... Je pensais que ça, j'allais pouvoir récupérer le bloc, mais non. Pas du tout. Ok, pourquoi pas. Sac de couchage. Oula. Un passage en dessous. Du raisin. Du PQ. Hop. Arrivée potentielle d'une série complètement débile, hein, qui va arriver rapidement sur la chaîne, peut-être. Rien n'est encore sûr, hein, je préfère le... C'est pour ça que je rajoute le potentiel. Putain, un Floran. L'humain, tu as vécu avec une Floran, tu mérites la mort. Normalement, si je casse ça... J'ai rien récupéré dedans, dommage. C'est une aviane. Tu survivras. On rencontre pas de Novakid aussi, ça c'est casse-couille. On devrait en rencontrer. J'espère que les prochaines mises à jour régleront ce problème. Aïe. Je rappelle que les Novakid sont inexistants, ou presque, dans cette extension. Enfin, dans cette version. Pardon. Hunters, non. Il me faudrait le couteau, moi. Je sais que tant que j'aurai pas le couteau, il faudra que je revienne sur les arides. Oh, non. Donc ouais, arrivée prochaine d'une nouvelle série, hein. Mais bon. Encore faut-il que je trouve quand la faire et où la faire. Bah alors. Merci. Et où la placer dans le cycle. Alors nouvelle série sur un jeu qui n'est pas récent. Mais qui fait à nouveau parler de lui grâce à une mise à jour plus ou moins badass apparemment. Mais bon. Le jeu a déjà été fait par des gros youtubeurs, hein. Il a même déjà été fait en coop. Ouh, grape juice, intéressant. Vous savez quoi, on va le boire. Ah cool, j'ai pas de régène de santé par contre. Par contre j'ai une santé max améliorée. Hop, pourquoi pas. Alors à chaque fois je loupe des coffres, hein, j'ai bien compris chers amis, hein, mais c'est de la water normale. Hop. Ah là par contre c'est de la healing. Exact. Hop. Parfait. On considérera que c'est bon. Hop. On est déjà sorti du truc. Dommage. Bon. Les ilotes, continuez comme ça. Ne vivez pas avec des floranes. Ça aussi c'est dommage, j'ai retrouvé plusieurs fois le même... Faudrait pouvoir en fait, faudrait qu'il y ait un système de jeu, peut-être une autre... Notre application intégrée au jeu permet d'ajouter des structures directes. Oh putain.
d'ajouter directement des structures aux structures de base, par exemple, rajouter un utilitaire qui nous permettrait d'ajouter nos propres structures au jeu. Ça pourrait être cool, ça. C'est peut-être temps d'y penser, Chucklefish. Bon, ce qui permettrait d'avoir, par exemple, certaines structures merdiques, hein. Et quand je dis merdique, c'est vraiment dans le sens caca, hein. Genre un mec qui fait un gros tas de bouse en bloc. Hop. Alors, ça, c'est une arme de 7. Je vais vous la mettre ici. Hop, elle fait 25 per shot. Celle-là, elle fait 5 per shot. 15, celle-ci fait 19. Oh putain. Meurs! Je hais les Floranes. Pour la peine. Raté. Touché. Touché. Hop. C'est une arène. Attendez. Oh! C'est un avion dedans, par contre, ça m'ennuie, ça. Pourriez-vous vous barrer, s'il vous plaît, madame? Intruders! Oh putain, il l'a buté. GG la Viane. Oh! Il s'est fait bouffer celui-là par contre. Il l'a buté aussi, GG! GG! Hop, et on a fait le tour. Déjà? Putain. On va essayer de rechercher le biome arc-en-ciel. J'ai vu ma mort arriver à grands pas, hein, autant vous le dire. Là aussi. Hop, on va ranger notre truc au cas où. Aïe. Hop. Parfait. Ok, on y est. Alors, on casse ça. On récupère le bois magique si possible. Ah, on peut pas. On serait bien full. Hop, parfait. Ok. Voyons voir par là. L'impression qu'on va pas tomber grand chose, hein. Il était mignon. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu mort au niveau de ce biome. Allez, hop. Épée.
Allons-y. Ouais, mais c'est un peu mort, je pense. Hop. Bonjour. Ouais, non, non, c'est un peu mort. Bon, bon, bon. Bon, bah écoutez, on va se laisser là, les amis, hein, malheureusement. Attendez, on va peut-être vérifier un peu plus par là. Au cas où. Raté. Ouais, non. Rien du tout. Y'a rien, 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 rien du tout. Ah, peut-être par là. Et je cherche, hein. Vous pouvez pas dire que je cherche pas. Hein. Là, franchement, c'est la planète qui est pas. Qui est pas propice. Hop. Si on peut retrouver la zone avec la Healing Water, peut-être qu'on pourra trouver quelque chose dedans. Hop. Parfait. Alors toi déjà avec le caca caca caca. Hop, tu es à moi. Non! Ah putain, je crois que j'ai été touché. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Rien! Ah, peut-être que si, attendez. Non. Alors, j'ai l'impression qu'il y a toujours rien en fait. C'est une catastrophe. Ouais. On descend par là, on verra bien. Et on est sorti du biome, génial. Ok, bon. Eh ben, ça a été pas du tout intéressant comme planète. Bon, ça arrive, hein. Ce sont des choses qui arrivent, chers amis. Très peu de coffres. Voilà, on est sorti du biome. Eh ben, on va monter sur le vaisseau et on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Plaine, on va faire trouver le lien dans la bannière de la chaîne. Si vous avez un système excentrique, rentable, au niveau objet, que vous connaissez, que vous avez déjà fait, qui vous a paru rentable et que vous avez pensé à noter les coordonnées, n'hésitez pas à le donner dans les commentaires. Encore une fois, merci à vous, merci à tous ceux qui commentent. Merci à votre... Enfin, merci pour votre sympathie, pour votre fidélité à la chaîne. Encore une fois, merci à tout le monde, que ce soit ceux qui ne commentent pas et ceux qui commentent, ceux qui me suivent sur le groupe Steam ou pas. Vous êtes tous là et vous mettre tous extrêmement sympathiques. Merci à vous pour votre sympathie, merci à vous pour votre fidélité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, mais j'en chie, vous faites une outro. C'est dingue, j'arrive pas à remercier les gens parce qu'ils sont tellement gentils. Hop.